Je suis pas signé chez FC Belette pour jouer au ballon. T'as joué pour la buvette. Le FC Buvette. Ouais, c'est FC Buvette. Allez, on est parti. Je me suis trompé de club. Un joueur de foot, ça doit être polyvalent. C'est-à-dire pétanque, tennis, lever de coude. C'est important. Avec l'équipe de maman. Allez, les Belettes. T'as deux doigts de faire l'équipe de water polo là-bas. FC Belette. Vous voulez pas ramener ta météo. On a rien à perdre. On est les petits pousses. Précédemment dans Rêve de Coupe, nous nous sommes retrouvés pour le début de la saison 2 dans le Maine-et-Loire avec la bande de copains du FC Ménilorantais. Après cette belle fête du premier tour, c'est à la Bassée dans le Nord que nous avons suivi le petit poussé de D7 qui recevait Wascal, club de National 3, pour le troisième tour de la Coupe de France. Aujourd'hui, allons à la découverte du FC Belette, un club très jeune aux ambitions certaines et où la vie se vit en rose. Bonjour à toutes et à tous, c'était un immense plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour ce rêve de coupe, le troisième rêve de coupe de la saison 2. On est aujourd'hui dans la Loire, près de Roanne, pour un match du quatrième tour, un match de folie après avoir fait le premier tour du côté d'Angers, le troisième tour du côté de La Bassée qui était près entre Lens et Lille après un derby de fou. Là, on est à Saint-Léger sur Roanne avec le FC Belette. Poursuivre leur quatrième tour, ce petit poussé national qui nous a fait vivre des grandes, grandes émotions, une équipe de potes avec un nom farfelu que vous allez découvrir tout au long de ce contenu. C'était vraiment génial. Le Crédit Agricole nous accompagne pour cet épisode. Le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire qui sponsorise le football amateur, qui sponsorise le football en général, qui permet de vivre ces grandes émotions de la Coupe de France. Donc on les remercie. On remercie également Rana Sport, les chaussettes de performance Made in France, qui a équipé l'équipe aujourd'hui que j'ai suivie. Donc gros big up, il y a tout en description, vous pourrez aller voir. Et on est aujourd'hui pour ce match dans des conditions dantesques. Vous le voyez, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Et vive le foot! Franchement, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre avec la Coupe de France. Et moi, je prends un grand kiff à vous partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur TikTok, à vous abonner sur la chaîne YouTube. On grandit de plus en plus. Et ça, je vous en remercie énormément. Et là, on va partir à découverte pour deux jours en immersion avec le FC Belette. On va voir la vie en rose. C'est tout de suite, c'est maintenant sur les rêves de coupe. Le troisième épisode sur Stadito. Let's go! Bon, ça y est, on vient d'arriver ici à Saint-Léger-sur-Roanne. On va commencer le tournage. Regardez, là il y a les champs, là il y a le terrain de foot juste derrière. Et nous, on va rentrer tranquillement pour aller s'entraîner directement avec le club. On avait bien kiffé la dernière fois, on va le refaire. Tu vois. Ah, merci. T'as un peu menti, c'est pas un stadium. C'est maintenant que tu vas te rendre compte du truc. Monsieur ? Alors lui, c'est Corentin Alfillon, richissime propriétaire du FC Belette. Vous allez apprendre à le connaître et ça vaut le détour. Bonjour. Bonjour. Alfillon. En forme. Bienvenue à vous. Ouais, merci. Dans notre modeste... terrain. Bon week-end. Salut. Salut les gars. Basile, enchanté. Bon, il fait bien sombre ici, mais direction les vestiaires. On va changer. T'as vu quand je suis à l'avance, bon, allez, c'est parti. Le maillot. Bon maillot rose. On est prêt. Allez. C'est supporter le club là, les gars. Avant que j'aille m'entraîner un petit coup, un petit moment. Nous, on est les ultras, ouais. On est ouais. Compté, mais. Non, on est venu voir. Même l'entraînement du vendredi. Ouais, 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 on est obligé, on est obligé. C'est ça, les bleus. Allez, les bleus. Moi, je viens d'arriver, ça fait une heure que je suis là, donc. Ils nous donnent des gammes. Après, on enchaîne avec un petit tour pour finir de jouer. Je suis dans le jeu là.
conservation de ballon. Et ça pète derrière. S'en fout les ultras. S'en fout. Ça y est, allez, on pressing là. Oh la vache. Voilà, la caillasse. Petit exo de frappe, on vient d'entraîner d'échauffer le gardien. Et là c'est parti. Le terrain, c'est pas ça, mais c'est le terrain d'entraînement. Et c'est ça qu'on aime, hein, la Coupe de France, la prépa dans les conditions extrêmes. Je suis réclamé à la frappe donc j'y vais. Bon, elle est validée. Hein. Personne n'aura la preuve, mais vous savez. Ben ouais, vous savez. C'est même le plus beau but, ça. Genre, là, c'est le plus beau. J'ai filmé, mais on voit rien. Je crois qu'à côté, le cop a filmé, donc je vous mets l'image. Je mets l'image si elle y est. Allez. On va prendre les impressions du cop. J'ai tout mis, la pression quand je l'ai vu en descendre. Vamos. Eh oui, eh oui. Au milieu, Alex Léo. Devant droit, Maxime Widry, Flavien à gauche, Pierrick pointe. Bon allez, c'est le match, la confrontation, la dernière confrontation. On est parti, hein. C'est parti. Allez, let's go. Un joueur buteur. Ceux qui finissent le calvaire de pas mal de joueurs là. Ah ouais, ouais. Ça commence à être bien dur là. Ouais, j'ai bien fait marquer. Ouais, il y en a plusieurs qui ont gueulé, vas-y marque parce que. Ouais, c'est pour l'équipe que j'ai fait ça parce que. C'est important. Ouais, faut pas qu'on soit fatigué pour dimanche. Bah non, là ça fait déjà 1h45 d'entraînement. Ça court hein. Ouais, mais non, on va passer à 3h de buvette parce que. Ouais, ça devient long le match. Je suis pas signé chez FC Belette pour jouer au ballon. Ouais, t'as joué pour la buvette. Le FC Buvette. Ouais, c'est FC Buvette. Allez, on est parti. Je me suis trompé de club. Bah bien joué pour le but, bon allez. Ah bah merci. Allez c'est parti, fin de l'entraînement ici. On se retrouve après là-bas. Bon les gars, simplement un seul mot pour dimanche. Pour schématiser l'affaire, vous êtes 21 à vous être inscrit. C'est très très bien. Le problème c'est qu'on peut en aligner que 16 avec un gardien inclus. Donc je mettrai 15 noms. C'est un peu le match de tout le monde, même s'il y en a que 15 qui sont sur la feuille. C'est un peu le match de tout le monde. Quoi qu'il arrive, il y en aura plein qui vont pas jouer, qui auront participé, il y a ceux qui sont blessés, il y a Maxime Nicou, il y a Lolo, il y en a d'autres qui ont pris part à des tours qui ne pourront pas jouer ces tours-là et du coup c'est un peu la réussite de tout le monde aussi alors qu'on en profite dimanche. Bon ça y est, l'entraînement est terminé, les gars, bon c'était sympa. Sympa avant la visée. C'est ça, dernier préparatif pour se mettre en place et être prêt pour ce match. Je vous présente Lucas, président et joueur du FC Belette. C'est ça. Et là c'est aussi le cuisinier. Cuisto du jour, puisque là c'est l'après-entraînement. Donc petit repas tranquillement avec l'équipe. On va passer la soirée ensemble et puis nous on se retrouvera dès demain pour les préparatifs. C'est et ça. Puis dimanche pour le grand match. Ouais, c'est ça, et avant très important. Ouais, avoir une bonne récup, bien manger, c'est important chez nous. On y met beaucoup d'importance dans le repas. Beaucoup de cœur dans le repas. Et la vérité. Bon allez, nous on passe la soirée, on se retrouve demain. Mais demain il y aura pesé. Oh là là, c'est annoncé par le coach. Allez, à demain. Ça va bien ? La forme ? Bien passé ce matin. Monsieur le président ? Ouais, la forme. La forme ? Et toi ? Bah ma foi. Nickel. Ouais, regarde là, deuxième jour, on commence. Il y a déjà du monde, hein. Il y a déjà du monde. Tout est en train de se préparer. Tout est en train de se préparer. Ouais, c'est ça avance. C'est surtout aujourd'hui. Là, on va voir ce que c'est. Ouais, c'est là, tu vas voir ce que c'est. Là. Ouais. Bon, ça y est, on est rentré. On est un peu dans le clubhouse avant le repas. Tout est en train de chauffer là juste devant nous. Magnifique. Je suis avec toute l'équipe un peu de la création du club. Je vous laisse vous présenter un petit coup, les gars. Juste pour présenter à tout le monde. Ouais, bah Maxence, moi je suis community manager et trésorier du plus grand club de France. Voilà. Ok. Pour ma part, je suis le président du plus grand club de France qui va bientôt gagner la Coupe de France. Et moi, je suis propriétaire de ce magnifique club, donc avec mon président et mon trésorier. Et on s'occupe aussi un petit peu de la buvette. Voilà. C'est toi qu'on a vu arriver hier en Twingo. C'est ça, avec ma limousine. Donc, voilà, magnifique. Tout à fait. Et aux couleurs du club, donc c'est beau. Merci à toi pour le pognon, d'ailleurs. Merci. Ça me fait plaisir. Donc c'est Alphillon, c'est ça ? Alphillon, tout à fait, ouais. Ok. Bon, les gars, le club, il a une histoire particulière. Vous êtes un petit club récent. Comment ça s'est fait, la création de ce club ? Pourquoi, en fait, avoir créé ce club ?
Eh ben, on a voulu recréer une équipe de copains. On avait tous joué ensemble durant notre jeunesse. Et puis, c'était un peu, on a plus jouer au football à cause des études. On est parti tous faire nos études un peu loin. Et puis, on a envie de se retrouver autour du ballon. Et on a recréé le club. Et on a voulu recréer un club à notre image, pas un club comme les autres, qui nous représentait et qui représentait notre bande de copains. Il y a sûrement deux questions qui vont intriguer les gens. Pourquoi les belettes et pourquoi le rose? Alors, les belettes, c'est parce que, des soirées arrosées. Et, on a une soirée où on était un peu éméchés. On a vu un documentaire animalier sur les belettes et ça nous a fascinés. Ouais. Et c'est vrai que depuis, cet animal, il est tellement fascinant que, on en a fait le nom du club, quoi. Parfait. Et le rose? Et après, le rose, c'est tout simplement la couleur phare de ma ville. Chez moi, dans mon pays. Okay. Donc voilà, c'était naturel de transcrire ici dans ce petit village et de le ramener avec nous. Avec nous ici. Et puis ça nous va à merveille, cette couleur est vraiment incroyable. Et puis ça répond au slogan du club, la vie en rose. On est aussi fan d'Edith Piaf. Bon, on est parti pour vivre la vie en rose ensemble pour ce quatrième tour de la Coupe de France. Complètement. On est à la veille du match, tout en train de se préparer. Et puis là, on va aller manger. Repas très bien. Repas, on va le filmer juste devant le repas. C'est en train d'être fignolé. Petite pâte carbonara. Magnifique. Et puis, les pâtes, c'est pour les sucres lents. Et la crème, c'est pour les. La crème, c'est pour le bidon. Allez, on est parti, on va au repas avec tout le monde. Let's go. Portez le président. Alors merci à tous et les bibliothèques se connaissent bien avec tous. Allez. Tu découpes aussi bien sur le terrain. C'est une de mes grandes qualités, et un peu pas la seule. Alors, traçage du terrain, montage des barnums, et derrière, t'as toute une équipe qui se lance sur les panini. On a 140 préventes de panini, okay. On espère en faire, on pense en faire autour de 250, plus si la météo est avec nous, mais vu ce qu'ils annoncent en météo, ça va être chaud. Donc on prépare tout à l'avance pour que demain ce soit le plus quali possible. Quand on sera en 32e de finale, on aura les loges à Geoffroy Guichard, donc on aura plus rien besoin de préparer. Et on aura le champagne à la place de la bière. Traçage de terrain, les gars? C'est la spécialité ici? Traçage de terrain, ça va être grandiose. Magnifique. Ça va être des grandes lignes. On a fait la dernière fois. Ça s'est bien passé. Ça nous a porté chance. C'est un peu ce boss. Oh là là. Bon, d'un côté, là-bas derrière, il y a les lignes qui sont en train d'être tracées. Derrière moi, il y a un barnum qui est en train d'être installé, posé. C'est vraiment un événement, hein. Ce club qui s'est créé l'année dernière, qui a déjà les maillots au quatrième tour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs, je sais que vous en faites peut-être partie, cherchent à avoir les maillots et là, ils se rendent compte à quel point c'est un privilège. Come on! Let's go! Blessé, mais tu participes quand même, c'est ça? À ta manière? Blessé, mais on apporte notre pierre à l'édifice, comme tu peux le voir, de toute façon. Tu sais qu'on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Quand on est payé 110 millions par an, comment? C'est l'ambiance, faire tourner un peu la buvette. Faut apporter un peu son petit truc, son petit grain de sel, comme on dit. Et je vois qu'il y a les biceps qui se font et tout. Tu gardes la condition, en fait. On a une certaine condition à tenir, ces belettes. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit pas manger, on doit pas manger entre les repas, interdit de grignoter. Par contre, pendant les repas. Pendant les repas, attention, on s'alcoole. C'est vrai qu'on fait pas très attention non plus. Là, c'est vraiment tous les joueurs hein, qui participent. Hein. Il n'y a pas, même les blessés, comme vous avez vu, qui participent à tout ça. Ici, le terrain, par contre, il est vraiment très, très court. Et d'ailleurs, au tour précédent, il y a eu un but qui a été marqué sur un dégagement du gardien et une incompréhension de la défense. Et ça s'est joué comme ça, mais le terrain est vraiment minuscule. Putain, c'est technique, hein, vous êtes chaud. Hein. Toi, tu t'es engagé d'ailleurs et t'as tenu parole. Hein. Moi, jusqu'au bout, en général, quand je m'engage dans quelque chose. Par contre, on remarquera les gouttes de sueur supplémentaires au début de la ligne et là maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'avant-après. Voilà, il y a l'avant-après aussi. Bon, après traçage, après installation de tout ça, on va aller voir les panini. Les panini. Le stand panini. 140 panini à préparer. Et ben, on est parti, on va aller voir à l'intérieur. Apparemment, il y a du monde. Et ça travaille bien. Ça travaille bien là-bas? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Dans le clubhouse. Ah oui. T'es bon, Zubé, t'es très bon. T'es très bon, Zubé.
JB, il bosse quand même. Ah, merci, vas-y. Eh oui. Non, c'est que cette semaine est filmée. Oui, c'est vrai que t'es la recrue, du coup. Ouais, c'est ça, recrue déjà. Je suis perdu, après. C'est ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai. On va en parler maintenant, là. Toi, t'as fait la recrue. C'est la recrue voilà. Phare. Il y a eu une vidéo qui a été tournée. Incroyable. Jouer un petit extrait juste en bas pendant qu'on est en train de parler. Ouais. Et vous, toi, t'arrives cette année, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis arrivé cette année parce que, ils avaient besoin d'expérience. Ouais. Bon, pas pour le football, plus pour la cuisine. Ouais, je vois ça. Mais, ouais, Et du coup, t'étais là et c'était génial. Ouais, Ce petit tournage, c'était cool. Ouais, carrément. Belle expérience. C'est plus qu'un club, c'est une famille. Et c'est génial. C'est cool. Les parents sont là pour aider. Nickel, pour que ça dure. Du sien et même toi tu mets du sien. On va regarder si c'est pas trop cuit non plus. Parce que sinon. Là c'est le fromage. Je fais onduler derrière là, ça y est. Ça y est. Petit biberon. Un joueur de foot, ça doit être polyvalent, c'est-à-dire pétanque, tennis, lever de coude, c'est important. T'es filmé, mec. Oui, mon gars. C'est dans la boîte, tu l'as celle-là. Je l'ai celle-là, je l'ai. C'est carré. Bon, allez. Maintenant, on va chercher les fûts pour la buvette demain. Fûts de bière. Allez, c'est bien le choix là, Saint-Léger. Ah, c'est le kiff, hein. C'est le kiff. C'est la kiffance. Ah, complet. Ah non, c'est trop cool. Trop cool d'être là. Avec le gardien qui est au volant là, Alex. On va pas trop déconcentrer. On va pas mettre trop de pression non plus, mais moi j'ai entendu des trucs pas trop mauvais. Faut jamais jouer sans pression. Bah là, c'est pour ça qu'on va chercher la pression là. Voilà, exactement. Exactement, chercher la pression. Puis on va bien l'avoir aujourd'hui. Ah, il l'a beau souvent la pression. Déjà aujourd'hui, et puis après. Allez, c'est parti en route. Hop. Pour YouTube, on est là. Les fûts. Tac. Là, c'est le 10ème litre. Ouais, c'est le 10ème litre. 300 litres. Il y en a aucun qui. Tout à l'heure, je parlais avec un gars qui traçait le terrain. Il m'a dit je suis blessé, je joue pas, mais voilà, j'ai trop envie de donner mon. Mais c'est ça, mais quoi. Puis c'est le club créé par les potes, et puis. Par les potes, pour les potes, avec les potes. Quoi. Et... Tu vois, les parents ils aident, c'est magnifique. Aujourd'hui c'était ouf. L'engouement qu'il y a autour, c'est ouf. Ah, c'était incroyable. Il y a vraiment tout le monde qui nous aide, et c'est ça qu'on aime. Ouais, là on a la mission maintenant d'en ramener. Tous les fûts, ouais, sans les boire. Il y a 300 litres de bière. On va peut-être en boire 50, et on rentre après. Ça marche, allez, on y va. On rentre après. Allez, c'est parti. On est parti. Allez en avant, on retourne au club. C'est parti. Hop, la ceinture. Et le temps commence à se tendre. Ça va être compliqué. C'est prévu d'être le déluge et là, ça va arriver. On les met où les fûts? Bon les gars, ça y est, les fûts sont installés, tout est posé, tout est prêt. Ça se passe comment? Vous en êtes où là dans la préparation? Ah bah on est complètement opérationnel là désormais. Il n'y a plus qu'à jouer. Il n'y a plus qu'à voir comment le temps aussi va tourner, puisque là c'est en train de se couvrir. Peu importe le temps, on est chaud. Vous êtes chaud là, les gars. On n'est pas en sucre. Vous êtes pas en sucre. Non. Tous les autres tours, ça a déjà été dantesque. Et donc là. Ouais, on aime ça la pluie, nous, ça nous correspond. Le jeu va plus vite. On était à deux doigts de faire une équipe de water polo à la base, faut pas oublier. Demain, voilà. On est prêt. Demain, vous êtes prêts. Ouais. Non, la journée des préparatifs est terminée. On va se quitter là-dessus. On va se retrouver demain vers 11h midi pour ce match de 4ème tour. Espérer une qualif. Allez, les gars. Comment ça va bien? Tranquille. Ça va. On est en pleine installation. On met la main à la pâte aussi. Il paraît qu'il y a un an, quasi jour pour jour, c'est votre premier match officiel. Ouais, un an, jour pour jour, on était sous la pluie. Ouais. On vendait 150 kebabs et on gagnait 7-0 contre Cordel 2. C'est magnifique l'histoire. Et là, maintenant, quatrième tour. Quatrième tour de Coupe de France. Et la bière à 1€. C'est plus Cordel 2. Et il y avait la pigole. La bière passait à 1€ à chaque but. Et on en a mis 7, dont un avant la mi-temps. Ça nous a cassé notre recette buvette. Mais bon. C'est comme ça qu'on crée les belles histoires. C'est comme ça qu'on crée les belles histoires. Clairement. Magnifique l'histoire. Et... On a bien grandi. Et oui. Hein. On a gagné pas loin de 1000 followers sur Instagram. Et ils vont encore en gagner, allez-y. Je vous mets l'Insta juste à côté là. Juste à côté de Lucas, il y a l'Insta. Il faut y aller, il faut les bombarder là. Ils viennent de passer les 1000. Il faut regarder nos vidéos, faut liker, faut partager. Et puis il faut rejoindre l'équipe des Belettes. Exactement, c'est ça qu'on souhaite. Allez, l'installation se poursuit et il y a le soleil, c'est incroyable. A few moments later. C'est un délire, c'est cataclysmique. C'est un délire. Oh, oh,
Oh, JB, elle est là. Bon, là, on est à maintenant 2h du match. Oui, ça, tout à fait. 2h du match, voilà. Avec ouais. Le coach, avec Christian. Oui. Comment on ressent ce match? Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir, de l'attente. Ouais. Et bah, du plaisir à prendre, bien sûr. Et puis quand même un petit peu de pression, mais pas trop. La pression positive pour les joueurs, hein, qui puissent se mettre dans le match, se faire plaisir sur le terrain. Ouais. Ça sera le mot d'ordre du jour. Et puis bah, pourquoi pas espérer quelque chose au bout. C'est ça, espérer quelque chose. T'as une histoire particulière avec cette équipe-là, apparemment. Tu les entraînais avant et tu les as rejoints. C'est ça, oui, en fait, c'est tout un groupe de jeunes qui me supportent depuis pas mal d'années. Ouais. Qui m'a supporté pendant pas mal d'années, donc des catégories jeunes jusqu'à première année senior. Ouais. Et puis ensuite, bon, moi j'ai arrêté et Lucas, donc le président, le président a remonté ce projet, ce groupe, et puis il est venu me chercher, et pourquoi pas. Donc retrouver tous ces jeunes qui ont grandi, bah, c'est un plaisir. Ouais. C'est génial. Bon, bah, on va aller bientôt au vestiaire. Ouais, voilà. Et puis on se retrouvera là-bas pour les derniers moments, la causerie. Et très bien. Tout ça. Bah, merci, allez, bon match, bonne préparation. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, il y a la pluie qui arrive, hein. Derrière moi, c'est tout noir. Et pourtant, on est en train de refaire les lignes du terrain qu'on a déjà tracées un peu hier pour que ça soit bien net. Et là, c'est full peinture. Alors, si je peux me permettre, là, non, c'est très bien. C'est très bien, ça finit un peu. Oh, la pression qu'il t'a mis là d'un coup. Ah, ouais, il met des petits coups de pression. Ah, attention, hein. Il est là pour ça. Hein. Je crois qu'il va revoir mon contrat. Hein. Bah, là, franchement, ouais, c'est pas très droite. Hein. Mais c'est ça, hein, les lignes de district, si elles étaient droites. Je vais me faire virer, bordel. C'est beau. L'équipe des mamans qui est ici présente, la fierté. L'embrasse les maillots pour porter bonheur. Pour porter bonheur. Allez, Belette. Allez. On vient de voir les mamans des joueurs dans les vestiaires qui découvraient les maillots, le club, comme je vous ai dit, il a un an. Et voir tous ces bénévoles et ses parents qui sont là ici pour aider tout le monde, c'est juste incroyable. Nous, on est sortis un petit peu, il se met à pleuvoir, il y a la banderole Belette qui vient d'être attachée. Il pleut, ça va être démentiel, ça va être torrentiel. Et les joueurs, pour ce match, pour avoir une meilleure tenue, des meilleurs appuis, ils auront l'aide de Rana Sport, qui est une marque de chaussettes de performance qui sponsorise la vidéo également et qui permet au club de jouer dans les meilleures conditions avec ces chaussettes qui sont juste ici, made in France, chaussettes de performance, antidérapantes avec un super maintien. Je les ai testées à l'entraînement vendredi dernier et c'était vraiment top. Donc voilà, les joueurs sont équipés et vous allez pouvoir vous équiper également en allant commander sur le lien qui est en description avec le code promo qui s'affiche juste ici. Vous aurez 20% sur l'ensemble de la boutique Rana Sport que je remercie, qui permet aussi également de faire vivre ces événements et faire vivre ces rêves de coupe et qui va vous régaler également en allant sur le site avec moins 20%. Merci à eux. Là, il se met grave à pleuvoir, donc je vais rentrer un peu me cacher avec les joueurs, les retrouver au vestiaire dans quelques instants. Allez, on est parti. Le terrain va être gras, mais à mourir. Ça va être terrible. Le vent aussi, c'est de la folie. Allez, c'est parti. Let's go. Les gars, bon match à vous. Hein. Voilà, l'équipe qui vient d'arriver aussi de l'autre côté. L'équipe adverse est prête et les joueurs qui sont dans le vestiaire. On va les rejoindre tranquillement pour suivre cet avant-match. Ça passe par le fait d'être bien concentré, pas regarder tout ce qui se passe autour, qu'ils aient les cheveux roses, qu'ils aient des fumigènes, qu'il y ait quoi que ce soit, ça on oublie. C'est bien, c'est cool, ça doit être une source de motivation, mais on ne doit pas être plus focalisé sur ça que sur notre match. C'est 10h10, nos directeurs à peu près. Vous savez bien qu'on va avoir un petit 45 minutes. On va démarrer notre match. Et quel plaisir, quel bonheur finalement d'être ensemble. Déjà de manière générale, parce que c'est toujours plaisir d'être ensemble. Et aujourd'hui, c'est quand même particulier, on a ce quatrième tour de coupe. Qui l'aurait dit, on sait dire déjà qu'on se prenne ça comme un grand moment de plaisir. Dos au jeu, et qui sera relancé très vite sur JB et Antoine. J'ai JB et Antoine sur les côtés, c'est pas pour rien, c'est de la vitesse, c'est de la percussion. Allez-y les gars, on compte sur vous pour ça. Est-ce que chacun a bien compris son rôle? Ça va? C'est important, mettons de la discipline, mettons de la rigueur, ça c'est super important dans ce que l'on va faire. D'accord? Maintenant on va aller s'entraîner, on va aller s'échauffer tranquillement, on revient ici. Et puis on repart maintenant. Allez, 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 allez,
Bah, plus la défense, ça va galoper, ça va fuser. Ouais. Je repique un peu au centre, mais là j'allume. Là je ne fais plus de pression. Allez, c'est parti, on rentre au vestiaire pour les derniers instants avant ce match du 4ème tour de la Coupe de France. Wow, c'est du jamais vu, les telles conditions pour moi sur les épisodes. Hein. Du jamais vu. Allez. Du nouveau avec les belettes. Ah ouais, du nouveau. Il y a de l'exceptionnel avec les belettes. Il y a de l'exceptionnel. Allez. Allez, les gars, je vous suis. En termes de jeu, vous venez de vous échauffer. Vous venez donc vous rendre compte dans quel état était le terrain. Si on avait affaire à un terrain sec ou un terrain humide, ça vous l'avez bien compris. Mais surtout, en termes d'appui, ce qui vient de se passer, est-ce que j'ai un appui fort, un appui faible? Donc plutôt faible. Donc on se méfie. Le terrain glisse plus finalement qu'il n'est boueux. Il n'est pas encore boueux, il a fait que le demi-tour, il n'a pas dit pas au fil des minutes. Hein. Aucun regret, on prend du plaisir. On n'a rien à perdre, nous on est les petits poussés, on n'a rien à perdre, ceux qui vont avoir la pression. Mais sauf qu'on est meilleurs mentalement. Et ça c'est notre terrain, on n'a pas le droit de lâcher les gars. On est chez nous, on prend du bonheur, hein. C'est cadeau. Bah, les gars, autant de dieux qui sont braqués sur nous les gars aujourd'hui, c'est une vraie chance pour nous. Donc on donne une bonne image, on est respectueux et on donne une bonne image, solidaire, costaud et on donne tout. Interdit d'avoir des volontaires aujourd'hui, interdit. Allez, et ces yeux-là, ça doit pas nous déjouer, ça doit que être du bonus pour nous, d'accord? Donc, on commence dans notre match, de la première à la 90e minute, pour les copains qui sont sur le côté, tout ça. La météo, c'est du pain béni pour nous, parce que le terrain, il est à chier, ça peut que nous valoir du bon pour nous, ok? Alors, on y va, les mecs! Allez, on oublie la communication. 1, 2, 3, 2, 1! Bon, c'est bon pour moi. Avant le cop, avant l'entrée, le générique de la Coupe de France. Là, il y a le coach. Allez, le cop. Let's go. Ce match va être donné par un champion paralympique. Voilà, en place la belle médaille d'argent obtenue à Tokyo. Bon, ça vient de partir pour 90 minutes dans ce match du 4ème tour de la Coupe de France entre les Belettes D5 et Chambéon Magneux D1. Deuxième minute de jeu, ouverture du score pour l'AS Chambéon Magneux sur un long ballon, j'ai pas pu la voir. C'est trop galère avec la caméra sous ces conditions, mais 1-0 en tout cas pour les visiteurs. Ça devient vraiment boueux, c'est la mi-temps. Du coup ici, 1-0 pour l'équipe qui est supérieure sur le papier. Mais les locaux donnent un bon match pour l'instant, coach. Ouais, très bon match, très bien. Très bon match, on va les encourager. Ils ont bien les consignes, ils sont au marquage, ils sont dedans, ils la jouent à fond. C'est ça, la plus grosse occasion elle était pour vous pour l'instant. Oui, mais voilà. On va aller au vestiaire, c'est comme ça, c'est le foot, on va aller au vestiaire, il reste 45 minutes. On va suivre tout le monde, c'est vraiment la galère. La galère, mais c'est ce qu'on aime. C'est ça le foot. Ça va
millions négatifs. Monsieur Bavard, bravo, engagement total. On y est, super. 4 millions d'écart. Bah, j'ai franchement pas l'impression. Bravo pour l'engagement, vous êtes tous parfaits, nickel. On en a une formidable occasion, on a une très belle occasion. C'est dans séparer. Franchement, quelle division, mais on va marquer les cartes. On va en avoir d'autres, on va en avoir d'autres, c'est obligé. Par contre, il faut bien qu'on reste dans le même état d'esprit, toujours s'encourager. Vous y croyez jusqu'au bout. Même si on est fatigué, mais ça veut dire que le petit effort, la petite course qui est anodine, comme il comme y a 15 jours, elle peut faire très cher. Donc on lâche rien, on donne tout, il y a du monde sur le banc si ça va pas. Vous êtes une vraie famille, hein. Ça se voit sur le terrain, vous êtes une famille. Donc continuez les gars. Pilonnez-les. Les occasions c'est pour vous là. Ils ont pas tiré, hein, quasiment. C'est bon. C'est le premier match où on est mené à la victoire en Coupe de France, c'est le meilleur match, même ça t'en vient, on n'a pas été si bon, On rentre donc dans un autre match. La Vénie, ça va baisser, le terrain devient très grand, etc. On va rentrer dans un autre match. Il y a quatre copains sur le côté qui sont prêts à rentrer, ils sont morts dedans. Donc à un moment donné, il faut être lucide. Si on se sent un peu moins bien, on le dit. La victoire, on va pas la chercher avec 11 joueurs, on va la chercher avec au moins 10 joueurs, tous ceux qui sont là. Allez les gars, allez, allez. Allez, allez, les gars, allez, hein, allez, Yoran, ouais. Allez, les gars, allez, j'y vais. Allez, coach, ça va le faire, allez, hein, allez, coach. Allez, les blancs. Bon, c'est reparti pour la deuxième mi-temps, je suis avec Flavien. Qui est chargé des ballons là aujourd'hui. Délégué par intérim. Ouais, bah ouais, là t'as pas pu être dans le groupe aujourd'hui, mais t'es derrière toute ton équipe, tes potes. Bah, il faut, ce qui compte c'est l'équipe aujourd'hui là. C'est ça, et on peu importe si on joue pas, voilà, comme on dit, on est tous un groupe. Ceux qui jouent, ils savent très bien que y a ils tout vont monde se donner derrière. À fond, ils vont se donner pour les 25-26. Et c'est ce qui est beau. Groupe, voilà, et on joue vraiment, voilà, ils jouent pas pour leur pour eux, ils jouent pour toute l'équipe. Et come on. Tu m'as fait peur, mais come on, Belette. Les craquages des ultras, il est incroyable là-bas. Je vous fais un petit zoom, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh là là, quelle parade du gardien champion Manu à la reprise de cette mi-temps. C'est le deuxième arrêt colossal qu'il fait dans cette rencontre. Toujours 1-0, corner à venir. Oh là là, Yan. Allez, je passe voir les ultras. Ouais, les ultras, vous êtes chaud? Second but pour Chambéon à la 55e minute de jeu. C'est difficile, c'est cruel, mais c'était la Coupe de France forcément. Le gardien qui sort un arrêt énorme tout à l'heure, d'énorme d'occasions. Et là, le break est fait, mais tout peut se jouer encore. C'est horrible. C'est terrible. Voilà. C'est fait. Voilà. S'il allait sortir, la balle peut-être que... Troisième but pour Chambéon Magneux. Malheureusement, au deuxième poteau, un ballon bien suivi. Un joueur seul au deuxième poteau et ça fait 3-0. Ça se complique vraiment pour les Belettes, mais on l'avait dit à la mi-temps, hein, forcément. Le début de reprise allait être très, 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 très important. Allez, allez! Oh non, JB! Ouais. Ouais. Un supporter, Boris? Voilà, Boris. Boris. La chaussure rose. La chaussure rose. Bon, ouais, 3-0, c'est pas facile, mais. Mais bon. On fait ce qu'on peut. C'est ça, ils déméritent vraiment pas. Hein. Ouais, ouais. Ils ont piné tous les maillots là. Les maillots blancs, c'était pas le bon plan. Ah bah là, les maillots blancs, c'est tendu, hein! C'était pas le bon plan. Pas le bon plan. Allez, bonne fin de match. Voilà! Allez, Lucas, allez! La deuxième, sur la première mi-temps, ils doivent au moins marquer. C'est dur, mais là il y a un coup franc. On va suivre le coup franc tous ensemble avec l'équipe des mamans. Allez les belettes! Penalty pour les belettes! Balle de 3-1. Oh non! Le penalty a été manqué! Bon, ouais, Maxence, qu'est-ce que t'as foutu là? Ah! Maintenant! Allez, les belettes quand même! Hein. Oh,
Merci. Franchement, vous n'avez pas à rougir, les gars. C'est terminé ici. Victoire. Logique. Le Chambéon qui fait une aide d'honneur magnifique. Bon, comme à chaque match, là c'est dans des conditions extrêmes qu'on a passé ce match. On remet avec le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire qui sponsorise cette vidéo, le trophée d'homme méritant. Et bah merci avec le maillot des Verts. Merci à eux, c'est top ce qu'ils ont fait. Et Alexis, super beau. Merci à vous. Alexis. Bon, voilà, félicitations pour tout ce parcours. Et vous avez bien représenté tout ça, c'est un grand plaisir. Merci à toi d'être venu nous voir. Un grand plaisir. On peut remercier Basile et Stagito. Merci Basile. Voilà, c'est terminé pour ce quatrième tour de la Coupe de France. On était avec le SC Melette pour suivre ce moment énorme de Coupe de France. On a eu les maillots, beaucoup d'émotions. J'ai vécu 3 jours exceptionnels avec toute l'équipe. Avec les ultras qui ont été là vendredi. Ouais, c'était exceptionnel. Stadito. Je remercie le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire qui m'a permis d'être ici. Je remercie également Rana Sport qui a fourni des équipements à l'équipe. Donc retrouvez tout ça en description. Et là les gars, c'est à vous de jouer. Je vous laisse jouer. Stadito. Merci les gars. Merci à tous. On n'a aucun regret. Aucun. On doit prendre notre mère. On a laissé le match. Ok. Ok les gars. Tous les gens qui sont autour, c'est pour nous. Moi, je ne veux pas en prendre 15 aujourd'hui. On a une chance sur 100, les gars. Une chance sur 100. Les 10 divisions, c'est jamais arrivé.